Yes, salut tout le monde, c'est Jean-Bloqué, on se retrouve pour ce 59e épisode du Let's Play d'Assassin's Creed Odyssey. Ouais, on arrive vraiment aux 60. Hein. Je crois que c'est le plus long Let's Play Assassin's Creed. Je vais vérifier, hein. J'ai un petit fichier qui me tient les comptes des épisodes et tout ça. Hors DLC, hein, bien sûr. Hein. Le premier Assassin's Creed avait duré 58 épisodes. Le dernier gros, c'était Origin 52. Donc ouais, on est sur le let's play d'un Assassin's Creed le plus long. Après, le let's play le plus long de la chaîne, on sait tous que c'est Horizon Zero Dawn avec 72 épisodes. Ouais, j'ai mon petit fichier Excel, en fait, je garde des données dedans, comme ça, moi, ça permet de me retrouver sur certains trucs. Hop là. On va continuer parce qu'on a la quête avec l'autre frère. Ah, je récupère du bois. Et du fer. J'aurais des ennuis. Oh, j'ai cru que c'était une vraie personne. Bref. Ah. Que du fer. Donc, la quête avec l'autre frère, tiens, on va faire. Oui, j'avais découvert un mercenaire précédemment. Mais j'ai l'impression que je les finis jamais, les mercenaires, c'est chiant. Pour l'instant, je suis échelon 6. J'arrive à en défoncer ici. Je voulais faire une quête. Oh. Ça, faut que je... Peut-être qu'on le fera. J'ai pas un TP à proximité. Placement rapide, voilà. Et ben, la reprise elle est compliquée là. Enchaîner, c'est le 4e épisode que j'enchaîne. Donc, ouais, un peu compliqué. Hein. Ah, faut que je me réhabitue, ça fait un moment là que j'ai pas enchaîné les tournages ou même les streams. Donc, forcément. Donc le corps se réhabitue. Il y a encore quelques temps, j'étais malade, donc forcément, ça n'aide pas. Attends, j'ai pas regardé un truc, ça me fait combien de ressources là? Oh, le bois, je suis large. Il me fait penser. Je sais pas comment il s'améliore ça. Allez. Ouais, dans le précédent épisode, il aurait pu me pécho, mais non, ça va. Attends. On est une mercenaire, on n'est pas là pour se taper tout ce qui bouge. Hein.
Me voilà. Moi, oh, ici. Oh, d'accord. Je te dérange? C'est ici que j'avais l'habitude de m'entraîner avec mon père. Quand il a quitté les armes pour la pêche, ça ne l'a plus intéressé. Mais moi, j'ai continué à m'entraîner. S'entraîner sans partenaire, ça n'a rien d'un défi. Dis-moi, tu ne chercherais pas à t'entraîner avec moi, mercenaire? Je n'ai rien contre un petit affrontement amical. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Tu as peur, Athénien? Non, je... D'accord. Allons-y. Voyons ce que tu vaux. Il va se faire détruire. Hop, hop. Et tout ce que tu sais faire? Je m'échauffe à peine. Chien de Spartiate! Timothéos, tout va bien? Il m'a dit chien de Spartiate, là. T'es bien battu, Athénien. Timothéos? Timothéos, qu'est-ce qui te prend? Je... Non! Arrête! Arrête! Non! Non! Recule! N'approche pas de moi! Je ne vais pas te faire de mal. Laisse-moi... Tu ne comprends pas? Si tu ne recules pas, je risque de te faire mal! Tu ne me feras aucun mal, Timothéos. Tu n'en sais rien! Je ne sais même pas si je serai capable de m'arrêter! Même si tu essayais de me blesser, je suis largement capable de te repousser. Ce n'est pas ça! Tu sous-estimes ce dont je suis capable quand... quand cela arrive! Timothéos... Non, non, non! Arrête! Arrête! Allez, calme-toi. Si tu crois que c'est facile! Tout va bien, Timothéos. Je te le promets. J'ai besoin de rester seul pour l'instant. Pardon. Il va pas bien, lui. Il faut que j'aille voir Timothéos et Lykinos chez leur père. Mon bateau? Il est là. Ouais, on sait jamais quand même. Bateau se refait la main. Tiens, il y a un requin même. Ouais, plus qu'un requin. Je sais pas, il a des démons ou ça se passe comment là? Et on va découvrir qu'il y a un membre du culte et tout ça? En tout cas, je remarque que les deux frères, ça voulait spécho, hein, avec les deux frères. Eh oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le coupable n'a rien emporté. Lykinos, est-ce que ça va? Ils l'ont emmené. Les brigands qui ont tué mon père ont emmené Timothéos. Où sont-ils allés? Aux ruines de Mycène. Je t'en prie, va à son secours. Ok, Mycène. Nargolis? Ok. Pourquoi j'ai un truc de... Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas sélectionné la quête en fait. Bonjour. Pardon. Bon, on va être obligé de se frapper avec des brigands. Excusez-moi. J'essaie de passer, mais bon, si vous êtes sur mon chemin...
Genre que du fer. Je, tu peux être sympa, donne-moi aussi un peu d'obsidienne, là. C'est ce qui manque souvent. À moins qu'il y a un truc particulier à côté. En mode, c'est pas du fer, mais c'est particulier. Hein? Cet endroit sera en alerte. Ok. Normalement, le piaf, il va bientôt se réveiller. J'ai libéré des prisonniers ici. Oups, pardon monsieur. Marteau de Zazon. Ah!
D'accord, le dernier coffre il est là. Bah, il me demande de tuer le mec et tout est à côté, je vais pas m'en priver. Hein. Timothéos, c'est fini. Non! Où est-ce qu'ils sont? Maudits, soit ces Spartiates! Où est-ce qu'ils se cachent? Tout va bien, Timothéos. Fais-moi confiance. Toi, tu fais partie de leurs espions. Je vais... Timothéos, qu'est-ce que tu fais? Kikinos? Je suis désolé. Je suis content que tu n'aies rien. Tu nous as de nouveau sauvés, mercenaires. Et de bien des manières. La célèbre porteuse d'aigle ne vous a pas encore sauvés. Je suis content de rencontrer enfin les fils de Dioclès. Et toi, tu dois être le responsable de la mort de mon père. Responsable? Ton père était un de mes meilleurs passeurs, jusqu'à ce qu'il se retourne contre moi. Notre père n'aurait jamais travaillé pour toi. Il n'a pas eu le choix. Ce bon Dioclès aimait jouer. Grâce à mon soutien, il a pu perdre encore et encore, tout en conservant votre jolie maison. Quelque chose me dit que ton soutien n'était pas gratuit. En effet, Dioclès et moi avons été partenaires pendant des années avant que je le tue. Mais un homme qui joue les drachmes d'un autre homme n'est plus un joueur. Il devient un voleur. Tu as touché le prix du sang en tuant Dioclès. Qu'est-ce que tu veux de Lykinos et de Timothéos? Dioclès est peut-être mort, mais je n'ai pas encore récupéré mon argent. Tu veux que je te paie? D'une manière ou d'une autre, oui. Ça suffit! Qu'on en finisse! Avec joie! Merci de m'avoir sauvé, Cassandra. Il y a une chose que je voulais te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire à Cassandra. Pardon pour m'être enfui l'autre jour. Ça ne reflète pas ce que je ressens pour toi. Moi, je ne me serais jamais enfui. Oh. Ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas dû partir alors que j'ai envie d'être avec toi. C'est uniquement grâce à moi que vous vous êtes rencontrés. Les moires ont parlé. Les dieux nous ont réunis. Je le sens dans chaque fibre de mon âme. Je vous préfère comme amis, tous les deux. Je vois. Si c'est vraiment ce que tu ressens... Eh bien, merci encore pour m'avoir sauvé et tout le reste. Alors, au revoir. Les pauvres. Oh, c'est vrai que les dissensions entre les frères, donc... Par contre, c'est bien gentil, mais rends-moi mon truc. Ah, on enchaîne les levels, c'est cool ça. Ah, en même temps, avec les 50%, on peut faire que ça. Ouais, attends, le truc qui m'empêche de récupérer... Ah, bon, bah d'accord. On va faire comme n'importe quel... Mais il y a encore du monde là-dedans. T'es sérieux, là? Il me manque juste...
Ok. Bah, en vrai, il me manquait un truc pour finir. On a fini pas mal de trucs. L'aptitude, je peux pas l'utiliser. Beaucoup de trucs demandent niveau 5, donc et j'ai pas débloqué de nouveaux membres du culte que je pourrais aller rendre visite. Ah, on peut démonter, d'accord. Ça, je peux pas démonter. Ok. Ah, mais je récupère de l'obsidienne comme ça. Ok. S'équiper d'ensemble. Ok. Pas. Ok. Si ça permet de récupérer un peu certains trucs, je suis pas là moi. S'équiper d'ensemble, non. Non. C'est rien qui se... démonte ici, oui. Ah, c'est vrai, je à chaque fois je les vends alors que je pourrais les démonter. Parfait. C'est bien ça. C'est vrai, pourquoi je fais pas ça? C'est comme ça, hein. Voilà. Elle est mieux comme ça, non? Voilà. Là, il y a des trucs qui se vendent. Non, c'est bon. Essayez. Ah, cassant dans la bégette. allons voir. J'avais envie de faire une quête là. Les prisonnières. Ok. J'ai envie de faire ça. Après. Est-ce que j'ai visité cette île-là? Parce que ça a l'air d'être une île. Bah oui. Aller au sud de la plaine d'Achille. Non, c'est Mykonos, ça, putain. Non, c'est pas Mykonos, mais... Ah, mais j'ai pas visité l'île, ok. Ah, ça va me permettre de la visiter. Pas plus mal.
Et on a dit la plaine. Le sud de la plaine, donc ça doit être là. Donc on va se poser là, on va prendre le bateau. Bah ouais, tant qu'à faire. Puis ça fait bien monter les levels, c'est cool. Regardez cette bégette, franchement. On est combien là? Bon point. Et quel quoi, donc je dois prendre le bateau. Salut! Il y a des contrats et tout. Oh! C'est quoi ça? La guerre pour la mer, tout ça. En vrai, ça. Vas-y. Hein. Le contrat, c'est quoi? Détruit les pentaconais athéniens, il reste un jour. Des trucs athéniens dans tout le monde grec. Ok. Il reste un jour pour le faire, il y a des grosses récompenses. On fait celle-là et on regarde si on peut faire l'autre. Mais ça a l'air d'être une quête un peu longue. Pardon. Je la ferai en off. Ouais, j'avoue que ça y va bien, la tenue. Plus ça montre un peu qu'elle est carrée et tout. Je regarde un peu parce que c'est une demande de faire des trucs, mais c'est des bateaux. On ne peut pas maintenir cette vitesse. Et level 33 quand même, ça progresse bien. Merci, merci de bonus d'XP. Je vais aller jusqu'à là-bas parce que j'ai envie de voir c'est quoi. Il vient vers nous pourtant. Un tirème léger. On va aller le faire. Il vient vers nous donc. Et merde. Nous allons aussi vite qu'il est possible. Le problème, c'est que vu que les autres ils vont dessus, ça va être compliqué de gérer les trois. Alors c'est quoi déjà dans leur quête de contrat là? Les Térimens athéniens, les peines de contrées. Oh, c'en est un ça là? Bah oui. Right.
On va les amarrer. Du moins les aborder. Pourquoi? Parce que je dois tuer des mecs. Attendez. Tiens, avant de... On va la mettre en surbrillance. C'est moi qui le tue. Sérieux? Mais c'est pas des soldats athéniens là que je suis en train de fumer le Lord Aaron là? Ça. Allez, meurs. Vous êtes sérieux là? Ok, on va payer ça. On a toujours notre marque, oui. Donc je comprends pas, tuer des soldats dans tout le monde grec. Ah, parce que l'eau c'est pas le monde grec. Ouais, l'intérêt oui, de se battre contre eux est minime, quoi. Du moins de les aborder. Attention à vous voler un champion. Attendez, votre maître est proche. Non, non.
Bon bah c'était pas le genre de bateau qu'il fallait fumer. Tant pis. Ok, allons nous concentrer sur notre quête. Parfait. Ah, j'en ai détruit un de chaque, mais j'ai l'impression que c'était pas les trucs. Comme je l'ai dit, je le ferai en off. On va aller se concentrer sur la quête là. Ça m'étonnerait qu'il puisse ramer plus vite. Bah, débrouillez-vous. Parce que ouais, il va falloir que je fume des soldats sur Athénien. Et donc c'est un peu chiant. On est déjà à 38 minutes. Putain, ça me démange un peu ici. C'est des trucs... la trace et tout ça. C'est chiant. Ouais, bah, vu que vous êtes en pleine mer, bon, cet épisode là il aura durable, c'est le dernier de la session que je fais de tournage. Je sais plus combien il m'en fout de ça, peut-être beaucoup. Il y a de l'arbre, tout. La voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'était un... Non, je crois... Je crois pas si on m'a dit tel level d'ici dans le passé. Ouais, je fasse le... Non mais sérieux là? Le chef des brigands, oui. Je veux bien, mais il est où? Les pirates utilisent probablement ce fort comme vigie. Et lui, le chef? Non. Et comment tu veux que je tue? Le chef, si je le vois pas. Le chef des brigands, il est où? Mais
rendu la vie. Comment pourrais-je trouver la liberté ? Je ne pourrai jamais assez te remercier. Merci. Je pense que je suis libre. Mais où le chef des brigands ? J'arrive à voir un... J'ai cru que je finirais ma vie ici. C'est notre pote, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce campement ? Kéré ! Tu sais, je comprends pourquoi tu aimes ces quêtes. Les brigands ne se battent même pas. Et en plus, il y a du vin. Mais il a un drôle de goût. Barnabas ? C'est dangereux par ici. C'est du vin de fleur de lotus. Ces brigands sont drogués. Nana. Ah bah voilà. J'ai fini au moins le repère, c'est déjà ça. Mais t'es à travers. Là, je vais récupérer sur le cadavre là. Bah oui, parce qu'il y en a sur le cadavre. Il y a du loot sur le cadavre quand même. La drogue, c'est mal, hein. Allez, vieil homme, il est temps de rentrer. Oh putain, 47. Comment tu te sens ? Oh, aucune importance. Les dieux m'ont envoyé une vision. Tu as parlé d'une Leda. Les dieux me l'ont montré. Leda. C'était ma femme. Tu es marié ? Je croyais l'avoir perdue il y a longtemps.
Mais je l'ai vue dans cette vision. Elle est en vie. Il suffit de la retrouver. On va l'aider. Bien t'aider à la retrouver, mais une vision ne nous mènera pas loin. J'ai eu 3 visions. Une de Leda, nourrissant un cyclope au fond d'une grotte perdue. Ensuite, je l'ai vu boire du vin avec une sorcière. Et je l'ai entendu chanter comme une sirène. Tu as eu aussi cette vision de cyclope? Oui! Tousa et Poséidon m'ont pris la main et m'ont entraîné au cœur des grottes d'Anafi. J'y ai vu Leda nourrissant un jeune cyclope. Alors comme ça, Leda buvait du vin avec une sorcière. Psyché me l'a montré. Leda et la sorcière étaient amies. Elles buvaient du vin à une heure avancée. Et derrière elles, j'ai vu les ruines de l'île de Paros. L'île de Paros? Tu as parlé de sirène. Perséphone m'a montré une fresque. Derrière, rôdaient des sirènes. Leda était prise au piège. Puis Déméter m'a prévenu de sa voix maternelle. N'approche pas, ou tes oreilles troubleront ton esprit. Tu es d'aussi bon conseil que Déméter. Bon, que dois-je utiliser? Tu me crois? Tiens, prends ceci. De la cire d'abeille. Si Leda est en vie, je la trouverai. Oh, les dieux, ça donne faim. Ok. Ça débouche sur pas mal de quêtes, c'est bien ça. On verra ça la prochaine fois. Ah, ça ne va pas marcher. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.